Euh, les démocrates d'abord et le président Obama qui tente un baroud d'honneur sur les armes à feu puisqu'à peine rentré de vacances, il a décidé de passer en force et par décret pour renforcer le contrôle euh, des ventes d'armes. Elisabeth Guedel, vous êtes à New York pour e télé. Qu'est-ce qu'il peut faire exactement Barack Obama L'idée de mieux encadrer le marché des armes à feu tous les vendeurs, qu'ils vendent deux armes par an parce qu'ils sont collectionneurs ou simplement amateurs, ou qu'ils en vendent des centaines parce que c'est leur métier, eh bien tous devront être certifiés, avoir une licence officielle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les ventes hors magasin, sur internet ou dans les salons. Mais comment obliger ces vendeurs à obtenir une licence puisque ce ne sera pas une loi Des pénalités seront prévues, mais comment vérifier tout le monde De même, tous les acheteurs devront passer par une vérification de leur antécédent, antécédents notamment de maladies mentales ou de déculpation. Pour violences conjugales, mais là encore, comment vérifier tout le monde Barack Obama aimerait bien embauché des agents supplémentaires pour ces vérifications, mais il faudrait un financement supplémentaire. En tout cas, le président américain ne veut pas partir dans un an de la Maison Blanche en n'ayant rien fait sur le contrôle des armes. Et puis, l'enjeu politique est important en plein de campagne électorale. Les candidats républicains se sont déjà dit tous opposés totalement à ces nouvelles mesures.